Comment faire un tirage pour soi-même? Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire un tirage pour répondre à une question qui vous tient à cœur ou à quelque chose, une thématique qui vous préoccupe. Alors, vous allez choisir le jeu de tarot que vous avez l'habitude d'utiliser, avec lequel vous êtes plutôt familiarisé. Donc, moi, je vais utiliser le tarot des sorcières. Vous pouvez utiliser n'importe quel tarot. Et je vais vous montrer comment vous pouvez répondre à une question, comment faire un tirage pour soi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Vous avez également des tirages intemporels, mais vous avez surtout des vidéos pour apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo, vous avez la formation gratuite sur le chemin rapide du tarot qui est totalement gratuite. Il vous suffit de vous inscrire pour recevoir le lien de la formation. Et vous avez également les formations avancées que je propose sur différentes thématiques qui concernent eh bien, la cartomancie. Alors nous commençons tout de suite avec un exemple fictif. Donc je vais en fait, voilà, je vais en fait faire un tirage pour moi-même. Par exemple, hein, c'est fictif, vous êtes, alors je suis, par exemple, je suis Elena, voilà, je suis Elena et j'interroge mon tarot pour savoir si je peux en fait postuler pour ce job, est-ce que c'est pour moi en fait le bon job, le bon travail pour moi qui pourrait me permettre de m'épanouir? Alors on y va. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez sur votre question, vous mélangez vos cartes. Alors un petit moment. Hop, voilà, c'est mieux. Hop là. Donc là, je ne vais pas en fait, voilà, parce qu'il y a une carte qui a sauté, je ne vais pas la prendre en compte. Hein. Vous débutez, donc pour le moment, on va plutôt se focaliser sur le tirage de tarot. Voilà. Donc vous coupez le paquet en deux ou en trois. Moi, je coupe en trois. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un tirage en trois cartes. Ça sera le plus simple pour vous pour commencer. Vous pouvez même faire un tirage en une carte, hein, je vais vous montrer après. Alors, positionnez votre première carte qui est la force, qui représente en fait eh bien, les énergies actuelles. Ensuite, deuxième carte, vous avez le 9 d'épée qui représente en fait ce qu'il ne faut pas faire. Et au centre, on a la carte qui représente le conseil ici du tarot par rapport à votre question. Donc, par rapport à ma question. Et ma question, c'est de savoir si j'ai raison en fait de postuler, si c'est la bonne chose à faire de postuler pour ce job. Alors, il est vrai que placé là en positif avec la force, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en fait qu'il faut absolument que je reste déterminée, hein, que je reste déterminée, que je ne baisse pas les bras, que tous mes efforts que je fournis vont être récompensés. En contre, on a le 9 d'épée qui peut signifier en fait, qui signifie en fait les énergies contraires, hein, ce qui est déconseillé de faire. Ce qui est déconseillé de faire, c'est en fait de rester comme ça, à se morfondre, à stresser, parce que le stress peut en fait m'empêcher de passer à l'action. Donc attention justement au stress, attention aux angoisses, attention au burn-out aussi, et attention aussi aux insomnies, parce que justement la problématique, c'est que moi-même, Elena, par exemple, je suis le personnage fictif, se pose beaucoup de trop de questions alors qu'elle devrait en fait, que je devrais en fait postuler. Mais en fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de quitter mon job pour un autre job et on ne sait jamais hein, si ça se passe mal, bah, j'aurais tout perdu. Donc, je me pose 30 000 questions, je tergiverse. Donc, il faut faire attention, c'est ce que dit le tarot. Il faut faire attention à cela parce que justement ça va vous empêcher, ça va m'empêcher de prendre en fait une décision et puis surtout d'agir hein, parce que je peux procrastiner à cause de cela et je pourrais manquer ben, cette opportunité. Et le 9 de Pentacle, c'est le conseil et c'est une très belle carte, regardez. Hein, une carte qui parle de prospérité, d'abondance, qui parle aussi d'amélioration financière. Il semblerait que le tarot me conseille de postuler pour ce job. Parce que ce job a de fortes chances de me proposer en fait un travail dans lequel je vais m'épanouir et dans lequel je vais être récompensée au niveau financier. Donc ça pourrait signifier
que je pourrais avoir un meilleur salaire. Bon, tout se négocie évidemment, mais il semblerait que c'est une opportunité pour moi, Elena, de postuler à ce job. Alors, vous voyez comment on peut faire un tirage pour soi-même. En fait, il faut utiliser le tarot comme un outil de développement personnel, comme un conseiller. Voyez? Et là, on peut tirer les cartes pour soi-même. Donc là, je vais en fait faire un tirage à une carte, par exemple. Donc là, on va changer de tarot. Hein. Je vais plutôt prendre celui-ci, là, le tarot des anges. Alors, comment je peux faire? Alors, par exemple, là, pareil, hein, je vais inventer un exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, au niveau, on va rester sur le professionnel. Voilà. Est-ce que je dois demander une promotion à ma hiérarchie? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Donc là, vous prenez votre tarot, celui avec lequel vous êtes familiarisé, celui que vous utilisez. Vous mélangez vos cartes, vous concentrez sur la question. Là, vous coupez le paquet en deux ou en trois. Moi, je coupe en trois. Et là, vous posez votre carte. Et qu'est-ce que j'ai? Quatre de terre. Quatre de terre. Alors, vous lisez le message de la carte. Surtout si vous ne connaissez pas bien votre tarot, surtout le tarot des anges, que vous n'avez pas trop l'habitude avec celui-ci. Bon, là, vous lisez le message. Alors, qu'est-ce que nous dit le message de la carte? Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, eh bien, c'est certainement le bon moment pour vous pour demander une promotion. Donc, c'est le bon moment pour moi pour demander une promotion. Voilà, dans le cadre d'un tirage pour soi-même. Qu'est-ce qui pourrait me pousser justement à demander une promotion? C'est qu'au niveau financier, c'est pas le top. Au niveau financier, vous n'êtes pas, je ne suis pas en fait récompensée pour tout le travail que je fais. Donc là, il est important en fait d'avoir cette récompense parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, il faudra peut-être que j'envisage de quitter cet emploi pour un autre emploi parce que ça ne sert à rien de rester à se lamenter, à se plaindre. Pensant que il n'y aura pas mieux ailleurs, alors que c'est totalement faux. En général, il y a toujours mieux ailleurs, mais c'est juste qu'on se met des barrières, des peurs pour ne pas bouger. Hein, voilà. Et puis on a aussi le contexte également qui fait peur aussi extérieur. On a aussi l'entourage également qui ne vous pousse pas justement à partir, mais plutôt à rester, à faire comme eux. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, oui, de bonnes décisions d'affaires signifie en fait que c'est une bonne décision de demander une promotion. Voilà. Donc demander une promotion, vous partagez vos connaissances. À votre hiérarchie grâce à votre travail, mais vous méritez d'être récompensé. Voilà comment on peut en fait faire un tirage comme ça, une carte pour voilà pour avoir un conseil. Hein. Donc ici vraiment là le tarot vous conseille vraiment de ben, d'y aller, hein, de demander une promotion. De toute façon vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Mais vous voyez la question financière ressort sur cette carte. Et par rapport à votre question, ce qui signifie que vous avez besoin en fait d'être reconnu au niveau financier, ce qui n'est pas encore le cas, voyez? Voilà comment on peut réaliser un tirage pour soi-même. Alors après, il y a d'autres exemples, d'autres tirages que vous pouvez faire, évidemment. Mais quand on est débutant, il vaut mieux commencer par un tirage à trois cartes ou à une carte. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous faites comme tirage pour vous-même, hein. Je serais curieuse de vous lire. Sachez que vous avez toutes mes formations avancées juste en dessous de la vidéo. Vous avez également la formation gratuite si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et puis n'hésitez pas à consulter mon contenu et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Prenez bien soin de vous.